Donc nous sommes dans notre série d'enseignement avec Joseph. Là où je me suis arrêté, c'était que Joseph s'est retrouvé en prison. C'est là où Joseph va continuer à prier Dieu. Il va développer une communion avec Dieu. Il va développer une vie de prière, une vie de consécration, sachant que Dieu qui a fait la promesse, il tiendra bon. Il te décourage jamais. Quelle que soit la grandeur, la longueur de la nuit, le matin finira toujours par apparaître. Le soleil finira toujours par s'élever. Quand Dieu, quand ton élévation est tellement grand, sache-le que la formation de Dieu prendra aussi suffisamment de temps. C'est comme une maison, un building qui a un gratte-ciel. On doit creuser profondément pour placer vraiment des racines, des fondements très profonds afin que la maison puisse tenir bon. Voilà, c'est dans la formation de Dieu, parfois ça tient bon. Beaucoup de gens vont te critiquer, beaucoup de gens disent voilà, il n'est plus. Qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà, tu sais, il y a même trois étapes là quand il faut parler sur la vie de Joseph. Le premier moment, on a venu présenter à son père sa tunique pour dire que voilà, il est mort. Les gens parleront que voilà, il est mort, il n'est plus là. Son ministère est mort, il est fini, il n'est plus là. Mais Dieu tient pour toujours. Le deuxième témoignage, c'est la femme de Potiphar qui amène encore la tunique de Joseph pour dire que voilà, ta vie de cet homme que tu as amené ici, c'est vraiment un épiduque, c'est un adultère et tout ça. Il donnait un faux témoignage. Mais Dieu était toujours avec Joseph, mais enfin, ce sera un témoignage de la gloire. Quand Joseph sera intronisé, il va envoyer cette fois-ci les chars vers ses parents pour dire, voilà ce que tu as vu. Il dit, allez dire à mon père tout ce que vous avez vu, qu'il puisse venir ici, je prendrai soin de lui. Ça, c'était les trois témoignages de la gloire. Joseph va développer une vie de prière, une vie de consécration, il va chercher Dieu, il va chercher la présence de Dieu. Jusqu'à ce qu'il développe cette communion avec Dieu pour faire que la don de Dieu qui était en lui commence à se manifester. Joseph commence à interpréter les songes des gens qui étaient en vie dans la vie. La sagesse divine commence à se manifester dans sa vie, l'interprétation des songes. Un juif va interpréter les songes des panetiers, les châtiers du roi qui était arrêté. C'est Dieu qui organise maintenant les circonstances pour amener cet homme. Ce ne sont pas les relations de Joseph qui l'ont propulsé, mais c'est Dieu, parce que j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu et qui tiennent compte que non, ce sont les relations qui vont te propulser, non, la grâce de Dieu. J'ai vu, tu peux connaître les mêmes personnes que d'autres ont connues, et toi tu es sur place, mais d'autres ont été propulsés. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens, qui t'amène dans les bons endroits, au bon moment, à la bonne personne, pour que tu sois propulsé. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui décide. C'est pas l'homme. C'est pas la planification de l'homme. C'est pas que Jésus doit être en contact avec celui-ci parce qu'il va intervenir. Non, tu peux être déçu. Beaucoup de gens ont été déçus. Ils ont eu des connaissances, des contacts parfaits, réels. Mais au moment opportun, ces gens n'ont pas intervenu. De la même façon, Joseph a intervenu, il a parlé à ces gens-là, il a interprété leurs songes. Mais ces gens ont oublié. Les songes se sont accomplis parfaitement. Dieu, c'est celui qui tient la promesse. Je le crois de tout mon cœur, tout ce que Dieu m'a promis, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Quand Dieu promet, ça s'accomplit. C'est le moment. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu pour ma vie. Après cette formation de Dieu, c'est le moment de l'accomplissement des promesses de Dieu. Car Dieu tient sa promesse. Quand il parle, il accomplit. Quand il promet, il va s'accomplir. Et quand tu es accompli, c'est au-delà de la pensée humaine, de la compréhension humaine. Joseph a passé tout son temps dans la prison. Il n'a pas eu le temps d'aller à l'école. Joseph n'a jamais étudié. Joseph n'a pas eu le temps même d'apprendre la langue égyptienne. Comme seconde langue, égyptienne, second language. Joseph n'a pas eu le temps d'apprendre. Il a passé tout son temps en prison. Tout son temps, il a passé ça en prison. Peut-être que c'était à 17 ans. Il fut mis en prison. Donc toute sa jeunesse, la splendeur de la jeunesse, il a passé ça en prison. Il n'a même pas eu le temps d'avoir une chérie, une fiancée. Il n'a même pas eu le temps d'étudier. Il n'a même pas eu le temps de... Joseph en prison a
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Dieu va donner un songe à Pharaon. Et Pharaon va chercher partout. C'est Dieu qui va sceller ces songes-là. Et les songes, l'interprétation des songes, sera entre les mains de Joseph. Quand Pharaon va chercher, chercher. Alors, et c'est Dieu qui a. Quand il était chez Pharaon, il pouvait avoir les songes, il dit bon, c'était un rêve, je l'ai vu à des fois, des reprises, c'est ça, c'est fini. Mais Dieu a mis dans son cœur ses charges. Parce que Dieu voulait élever son nom. Dieu voulait élever son serviteur. Dieu voulait se glorifier au travers de son serviteur. Il voulait au travers de ces songes-là que Joseph donne l'interprétation afin que Dieu puisse se glorifier. Donc sache que dans les cieux et sur la terre, qu'il y a Jésus-Christ, c'est le seul Seigneur de Dieu. Alors Joseph, et il y a maintenant la personne des panétiques qui avait oublié Joseph, va dire, je connais un hébreu qui est en prison, il m'a donné l'interprétation, les choses se sont accomplies ainsi. On dit, les mêmes jours, c'est le titre de la prédication, les mêmes jours Joseph est élevé. Les mêmes jours Joseph est sorti de la prison, les mêmes jours il va interpréter les songes, les mêmes jours Joseph sera élevé, les mêmes jours Joseph sera rasé. Sa tête, il avait la barbe, il avait la tête, parce qu'en prison, des ans en prison, il a vu. Plus de 10 ans en prison, il n'avait même pas le temps de raser. Les mêmes choses, on va les raser, on va l'habiller les mêmes choses. Il va interpréter les songes. Les mêmes jours, Joseph sera investi premier ministre. Les mêmes jours, Joseph sera couronné, va marcher, sera assis sur les trônes. Le même jour, Joseph va s'asseoir sous les chars et les gens vont courir autour de lui, crier à genoux. Joseph passe le même jour. Le même jour, Joseph va se marier. Le même jour, Joseph aura un compte à banque. Le même jour, Joseph est devenu millionnaire. Le même jour, Joseph a une autorité. Le même jour, Joseph a commencé à diriger. Le même jour, Joseph a commencé à régner. Le même jour, Joseph sera maître absolu en Égypte. Et Potiphar, il l'a mis en prison. C'était un moyen pour permettre à propulser Joseph. Toutes ces choses ont contribué à la bénédiction de Joseph. Tous ceux qui l'ont combattu, tous ceux qui l'ont jeté à prison, tous ceux qui l'ont vendu, toutes ces choses. Maintenant, à la fin de l'histoire, on comprend que c'était le moyen pour aider Joseph à parvenir à la vision, à parvenir de là où Dieu l'avait. Le même jour, Joseph s'est élevé. Le même jour. Dieu peut faire en un jour. Il peut te prendre de la boue et te faire asseoir parmi les grands en un seul jour. Quand Dieu te prépare, il t'équipe. Quand tout est là, en un seul jour, Dieu peut te faire élever de la boue, de là où tu étais, où personne ne pouvait te voir, où personne ne pouvait s'occuper de toi, où personne ne pouvait avoir l'œil sur toi, où personne ne pouvait t'écouter, où personne ne pouvait se référer à toi. Dieu peut te prendre de là et te présenter à la face du monde comme un puissant. Je vais lire. On dit vers chapitre 40, après ces choses, il arriva que les chansons et les panitudes du roi d'Égypte offensaient à leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, fit irriter contre ses deux officiers, les chefs des chansons, les chefs des panitudes. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans les lieux où Joseph était enfermé. Les chefs des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux, et les placèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panitiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun les siens, pour recevoir une explication distincte. Je vais sauter. J'arrive au chapitre 41. C'est un pharaon et un songe pour de 2 ans. Voici cet auprès du fleuve. Je vais sauter. Verset 9. Alors les chefs des chansons et chansons, la parole dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, il m'avait fait mettre en prison.
dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers, nous sîmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune homme, hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et nous les expliquâmes. Les choses sont arrivées, l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma chambre, qui me fit pendre, et il fit pendre les chefs des panétiens. Pharaon fit appeler Joseph, on les fit sortir à Nath, les mêmes jours. On les fit sortir à Nath. Il se rasa les mêmes jours. Il changea ses vêtements les mêmes jours. Et s'est revêtu et s'est rendu vers les Pharaons. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule songe. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset 32. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est attiré à l'exécuter. Verset 39. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. J'ai été établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays de l'Égypte. Les mêmes jours, Pharaon lui donne les commandements de tous les pays de l'Égypte. Les mêmes jours, Pharaon établit Joseph sur sa maison. Les mêmes jours, il établit tous les peuples qui devaient obéir aux ordres de Joseph. Les mêmes jours, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Les mêmes jours, il les revêtit d'habits de fêlé. Les mêmes jours, il lui met un collier d'or au cou. Il lui fit monter sur les chars. Les mêmes jours, qu'il suivait les saints. Et on le cria devant lui, à genoux devant. Les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Sans toi, personne ne les verra, ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaltsnakh-Pahneh. Et il lui donna pour sa femme Asmen. Les mêmes jours, Pharaon, Joseph va se marier. Voilà l'élévation. Dieu prend son homme. Il le place parmi les grands. Dieu prend son serviteur. Il élève mon frère qui m'écoute. C'est toi, tu es fils de Dieu pour ces jours-ci, qui est prédestiné pour ces temps-ci. Je te dis, je prophétise qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Saisis la promesse de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour d'adoption, le jour d'élévation où Dieu va t'élever, où Dieu va nous élever pour manifester sa gloire et la, toute la face de la terre. Quand Dieu élève, personne ne peut contester. Quand Dieu élève, personne ne peut stopper. Il n'y a pas une puissance, il n'y a pas un démon, il n'y a pas une puissance diabolique qui peut stopper les plans de Dieu. Car ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Je crois de tout mon cœur que dans ma vie, tout ce que Dieu a dit, je vais le voir, je vais le toucher, car ça va s'accomplir. Car c'est la promesse de Dieu. Il est Dieu, il ne ment jamais. Ses promesses sont vraies. Sa parole s'accomplit. Quand il promet, ça va s'accomplir. Quand Dieu veille sur sa parole pour s'accomplir, il veille sur ses promesses. Il veille sur sa parole. Quand sa parole sort, son onction, sa puissance, toute sa gloire accompagne cette parole pour la manifestation. Et nous sommes la manifestation de la promesse de Dieu. Quand Dieu t'a fait la promesse, tu es une parole, tu es une sémence qui germe. Et cette sémence doit mûrir. Quand c'est le moment de Dieu, cette sémence doit se manifester. Dieu veille sur toi afin que cette germe sémence dont tu es, dont je suis, puisse se manifester, puisse voir les jours, puisse être matérialisé. Voilà les plans de Dieu pour nous. Voilà les plans de salut pour nous. Quand Dieu t'a fait la promesse, il s'est mis de sémence en toi. Par prédestination, Dieu a placé en nous des sémences. Et nous sommes venus sur la terre pour manifester cette sémence, pour manifester cette parole. Et personne ne peut nous résister, personne ne peut stopper ça, personne ne peut bloquer les plans de Dieu. Voilà pourquoi on a passé des guerres, on a traversé des choses. Même les balles ne pouvaient pas nous atteindre. Ce n'était pas parce qu'on était merveilleux, on pouvait bien échapper. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est la protection divine, c'est l'onction de Dieu. Quand Dieu veille sur sa promesse est dans le cœur de l'homme, c'est dans l'âme de l'homme. Sa sémence, c'est là où il place sa sémence, afin que le monde puisse voir. Et quand cette parole est manifeste, on dit qu'on commence à mettre la parole, et Paul est avec Dieu, et cette parole se retient. Tout homme qui a une promesse de Dieu est une parole faite chère, est une manifestation de Dieu. Aujourd'hui, la sémence doit se manifester. Dieu vous bénisse richement pour cette glorieuse message, et bien sûr, dans votre essai, le message, au nom de Jésus.